Alors continuons notre tour du monde avec une escale en Europe centrale. Europe de l'Est, les Balkans, Ah. une autre manière peut-être plus rythmée et un autre placement de la voix également. Nous accueillons maintenant le groupe vocal Balkan. Male mila, male eno ludom mlado, drumi pogrešilo, porti namerilo. Male mila, male, ademu otvorim. Edno ludo mlado, drumi pogrešilo, porti namerilo. Male mila, male, ademu otvorim, ademu otvorim, prijem da mu storim. Sane milo čedo, nemoj mu odvara, nemoj mu odvara, nema me večera. Male mila, male, moj te slatki dumi, moj te slatki dumi, večera će samu. Sane milo čedo, nemoj mu odvara, nemoj mu odvara, nema me postela. Male mila, male, moj te ravna snaga, moj te ravna snaga, postela će mu je. Edno ludo mlado, drumi pogrešilo, porti namerilo. Male mila, male, a da mu otvorim, a da mu otvorim, prijem da mu storim. Sane milo čedo, nemoj mu odvara, nemoj mu odvara, nema me pokrivka. Male mila, male, sitni jasni zvezdi, sitni jasni zvezdi, pokrivka će sani. Male mila, male, sitni jasni zvezdi, sitni jasni zvezdi, pokrivka će sani. Male mila, male, sitni jasni zvezdi, sitni jasni zvezdi, pokrivka će sani. Balkan, bonsoir. Bonsoir Milena, bonsoir Martine, bonsoir Marie-Madeleine et bonsoir Milena, puisqu'il y a deux Milena dans ce groupe. C'est le groupe des M finalement. Hein. Vous aimez. Nous vous aimez. Donc tous les prénoms commencent par M. Alors je suis très heureux dans la boîte à musique qu'il y ait à côté de la musique classique et du jazz aussi quelque chose qu'on peut appeler la chanson populaire traditionnelle. Le groupe est moitié bulgare, moitié français, puisqu'il y a deux Bulgares, les deux Milena, et montrer les... Voilà, on va mettre d'un côté les Bulgares, et puis deux Françaises, Martine et Marie-Madeleine. Mais dans le, un peu peut-être le cliché, ou en tout cas l'image qu'on a toujours du chant bulgare, on pense toujours à des voix placées très, de manière très particulière, très nasillarde, ou comment on pourrait... Surtout pas nasillarde. Parce que si vous faites nasillard, ça va sonner dans le, justement dans le nez. Et pour faire un son, justement, quand on a essayé de trouver ses placements, parce que nous, on n'est pas nés avec, il a fallu chercher, il fallait lancer la voyelle et justement se boucher le nez, que ça ne change pas. Comme si je fais « Eh !» Ça ne change pas que je bouge mon nez. Voilà. Et puis on va projeter vers l'avant, oui, parce que traditionnellement, en fait, pendant les moissons, on chantait sur une colline et il fallait que les gens en face nous entendent. Donc. Voilà, je suis par là. Moi, j'ai été frappée par ta voix très grave, qui est presque une tessiture de baryton, au fond. Finalement, les hommes n'ont pas eu d'autre choix que de reconnaître que ma tessiture est plutôt placée dans ce qu'on appelle dans la voix d'homme baryton. Et vous avez toute une tessiture un peu plus basse, c'est-à-dire que nous sommes habitués à penser soprano, alto, ténor, baryton, mais au fond... Les sopranos bulgares deviennent des altos, les altos des ténors, oui. Et toi tu fais baryton. Oui. Et moi je fais le baryton. C'est magnifique. De manière tout à fait... Juste une chose dont on n'a pas parlé, qu'est-ce que vous racontiez? Parce que je ne suis pas toujours très très fort en bulgare, vous oui certainement. Mais d'ailleurs ce serait intéressant de savoir ce qu'on a compris chacun. Ah bah oui, alors qu'est-ce que vous avez compris? Très bien, très bonne idée. Vous mangez, je ne sais pas, elles étaient ensemble, elles appellent quelqu'un, il n'y a rien à manger. Je sais pas, il y a un truc de solidarité. Mais non, mais parce qu'il y avait, il y a eu un mouvement avec le tché ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu l'impression que c'était
Je me suis fait un film, comme on dit. Et le mec, il voulait partir. La nana lui disait, tu peux t'en aller. Moi, je suis avec mes copines et on s'en fout de toi. Toi, tu pensais quoi? Alors, vas-y. Alors, moi, j'ai compris qu'elle faisait un gringue d'enfer au mec parce que, bon, il y avait tout un tas de circonvolutions amoureuses, quand même. Et qu'après, elle l'engueulait copieusement parce que ça devait pas coller. Mais à vrai dire, dans cette histoire, l'homme n'est pas encore arrivé. C'est la négociation entre la fille qui est tombée amoureuse, qui l'a bien vu, le jeune fougueux, approcher la maison, qui frappe à la porte et qui demande à sa maman, ouvrons-lui la porte. Non, regarde pas, je ne fais pas ta maman. Oui, d'accord. Elle veut que sa mère ouvre la porte à ce jeune homme. Mais le refrain qu'on vous fait, oui, voilà. Ça veut dire quoi, ça? Et c'est elle, c'est la jeune, voilà. C'est beaucoup plus chouette, la suite, parce qu'après, elle insiste. Laissons-le entrer, maman, laissons-le entrer. Ben non, on n'a pas de couche. Littéralement, hein. Ah ben, mais mon corps peut être sa couche. Ah bah c'est ça. Voilà. Alors après, elle dit, c'est oui, très mais enfin, on n'a pas de couverture. Ben, c'est les étoiles du ciel qui seront notre couverture. Ça, je trouve ça, c'est beau, non? Plus récemment, vous avez eu un projet qui était plus spécifique puisqu'il s'agissait de mélodies séfarades. Oui, parce qu'en fait, en Bulgarie, il y a un grand lien d'amitié entre les juifs, séfarades ou ashkénazes, il y a les deux. La Bulgarie était le seul pays qui n'a pas livré ses juifs. Du coup, quand on a connu ces chants, on a envie de les apprivoiser, de mettre des polyphonies, de les croiser avec des chants bulgares, et ça donnait un projet merveilleux. On a trouvé des chants magnifiques, des perles de Sofia, d'Istanbul. Puis on s'est dit, c'est vraiment dommage de garder juste le sens des chants séfarades qui trouvent écho complètement dans les chants bulgares. Et donc, on a fait un mariage entre des chants bulgares. Voilà. Bulgares et séfarades. Tout à fait. Mais avant ça, je voudrais juste que vous nous disiez, qu'est-ce que vous allez chanter, donc, de ce répertoire séfarade? Los Caminos de Sirkeji, c'est un chant judéo-espagnol de Turquie, qui veut dire les chemins de Sirkeji, qui est un quartier de Constantinople. J'espère que ça parle d'amour. Toujours. Oui. Très bien. Alors, allez. Nous accueillons maintenant le percussionniste David Brulet, qui rejoint Balkan. Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por ver a ti, morena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por ver a ti, morena. Morena tú, moreno yo, ven nos esposaremos. Morena tú, moreno yo, ven nos esposaremos. Si no te quieres esposar, ven nos recuentaremos. Si no te quieres esposar, ven nos recuentaremos. Gazela,
Los Caminos de Sierke G par Balkan et David Brulé. Eh bien, c'est vraiment formidable parce que j'ai l'impression que souvent, on a une image de la musique traditionnelle comme une expression figée, quelque chose qui ne bougerait pas à travers les siècles. Et vous, vous faites vivre cette musique, vous la faites évoluer, vous l'enrichissez, vous avez des idées de croisement comme celles que vous venez de nous offrir. Un grand merci pour être venu sur le plateau de la boîte à musique. Je rappelle votre prochain disque qui va sortir à l'automne, Balkan Kısmet. Merci Balkan, merci David Brulé et bravo.